I admit it, another hoe got me finished. Broke my heart, oh no you didn't. Fuck sipping, I'ma down a whole bottle. Hard liquor, hard truth, can't swallow, need a bartender. Donc avant que je vous balance la vidéo les gars, j'ai à vous dire qu'en fait j'ai complètement oublié de vous dire qu'il y avait un boost. Donc le boost, il augmente de 30, en gros, imagine tu vas à 100, comme moi, 115, si t'allumes le boost, bam, tu montes à 140. Du coup, voilà, j'ai oublié ça. Du coup, voilà les gars, bonne vidéo. Et wesh l'équipe, c'est Arki tout neuf d'aujourd'hui les gars. Petite vidéo sur GTA 5. Je fais quasiment jamais de vidéo sur GTA 5. Du coup là ça va être j'en fais quasiment pas trop. Mais voilà, du coup là ça va être une petite vidéo sur GTA 5 les gars, où ce que je vais customiser la nouvelle voiture qui est une Formule 1. Donc je viens de la gagner à l'instant au casino. Donc là je l'ai mis dans mon atelier de l'arène. Et les gars, on va tout de suite aller la chercher. Donc la Formule 1, je vais aller aussi voir elle coûte combien, parce que je sais même pas où ce qu'elle est. Du coup on va aller tout de suite voir. Donc là je me rends à mon atelier de l'arène pour aller chercher la Formule 1. C'est la première fois qu'il y a une Formule 1 sur GTA 5 PS4. Donc ça va être une petite découverte. On va voir les customisations disponibles sur cette Formule 1, sur cette fameuse voiture. Voilà. Du coup c'est parti les gars, je rentre dans mon atelier de l'arène. Et c'est premier sous-sol. Du coup en fait les gars, je viens de m'en rendre compte qu'en fait la Formule 1 on peut pas l'acheter. Du coup la Formule 1 les gars on peut l'avoir que au casino gratuitement. Du coup voilà, donc moi je pense que comme tout le monde, ben, j'ai fait le genre de glitch pour l'avoir. Du coup là les gars, on va tout de suite la customiser, ben, directement à l'arène. Ou au pire non les gars, au pire on va aller au LS Custom pour au moins voir la vitesse de la Formule 1 maintenant et voir la vitesse de la Formule 1 juste après. Donc attention, oh là là, elle est magnifique les gars. Oh là là. Vraiment les gars, regardez. Vraiment c'est... Oh là là, elle est magnifique les gars. Magnifique. Waouh. Ouais. Oh. Fraîche. Eh, vraiment les gars, mais vraiment elle tue. Donc là vraiment elle va... Attends, elle va vite en vrai. Ouais, 103, 105. Waouh. Waouh. D'accord. Ah ouais, d'accord. Carrément. What? Vraiment les gars, moi je la trouve super super belle, super stylée. J'aime beaucoup, je l'aime beaucoup. Du coup là les gars, j'hésite à la custom à fond parce que comme vous le voyez, j'ai plus trop d'argent. Ok. Comme vous le voyez, j'ai plus trop d'argent. Du coup voilà. Du coup les gars, là on est arrivé quasiment à Los Santos. Du coup hop, on va y aller. On va rentrer dedans. Déjà on va voir juste pour avoir enlevé le genre de capot, ça coûte combien. Ouais je sais. What? Ah d'accord. Ok, bah elle s'est réparée toute seule, du coup nickel. Ça, on va pas encore y toucher. Carrosserie, alors. Carrosserie. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh, on met directement le dernier. Hein. C'est parti. Frère, on va pas y toucher pour l'instant. Du coup, pare-choc avant. Ok. Wow. Bon, mais directement le dernier. Il n'y a pas de pare-choc arrière. Ah ouais. Ouais, il n'y a pas. Bon, ouais, ils pouvaient mettre un pare-choc arrière, mais voilà. Bon, on va pas encore y toucher. Échappement turbo. Ça change donc. Ah ouais, d'accord. Ok. Motif. Oh là là, les motifs, attention. Ok. Ok. Oh là là, il est bien celui-là. Celui-là, il est bien. Ouais, celui-là aussi, il est pas mal. Wow, il est magnifique celui-là.
J'hésite entre celui-là et celui-là. Celui-là, vas-y. Peinture. Ah oui, d'accord. Bah, je pense qu'elle est bien en noir, en blanche, non? Blanc glacé, vas-y, c'est parti. Couleur secondaire, c'est... Ok, celle-là, on va mettre blanc glacé aussi. Ah, mais c'est déjà mis, ok. Vendre, ok, 26 000, aileron. Alors, l'aileron, les gars, oh là là. Ok. Ils deviennent de plus en plus gros. Oh là là. Franchement. Ah bah, le dernier, hein, c'est parti. Transmission, turbo, écoute, on va payer maintenant. Roue. Alors, est-ce que. Ah non, ça reste des formes des F1. Ok. Bon, de toute façon, c'était sûr, hein, je dis n'importe quoi. Ok. Mais écoute, ceux-là, ils sont pas mal. Oh, 40 000 balles. Ah ouais. Couleur. On va laisser en noir. Pneu. C'est parti, hein. J'ai plus de thunes. Pare-brise. Ça, c'est la même chose. Du coup, blindage, on va le mettre à 35 000. Frein, on va le mettre 35 000. Moteur, hop. Et bah, du coup, voilà. Ça fait un petit peu mal. Ça fait très mal. Il me reste 780 000 dollars. Ok les gars, maintenant on va tester la petite Formule 1. On va tester la vitesse de la petite Formule 1 sur une autoroute. Wouah! Ah ouais, elle trace déjà. Elle trace déjà les gars. Oh là là. Elle monte à combien déjà là? Ah ouais. Cinq, 106. Ok, on va regarder dans l'autoroute. Franchement, elle a l'air de bien tenir la route pour tourner. Ouais, ça va encore. Du coup, c'est parti. On va pas aller en sens inverse, sinon on va se prendre toutes les voitures. Et c'est parti. On va tester la vitesse, les gars, de la petite Formule 1. On va voir, elle va à combien maximum. Donc là, on est déjà à 102. 102, allez. 101. Ok, 102. Hop. 103. Allez, avance. 104. 105. 106. 107. 108. On a été à 108. 109. 110. 111. 112. Allez, ça monte encore. 112. C'est petit, hein. 113, ok, 114. On peut faire mieux, je pense. Elle peut faire large. Je pense qu'elle peut faire mieux. J'ai fait un accident, dommage. 114, ok, allez, 115. Elle fait du 115, 116. 116 grâce à la descente. 116, je pense qu'elle fait du 116. Oh, elle est très rapide les gars, mais pour une Formule 1 c'est pas assez je trouve. Pour une Formule 1 je pense pas que c'est assez. Bon après c'est ça reste une voiture hein. C'est pas voilà quoi, mais je trouve c'est vraiment pas assez pour une Formule 1. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi franchement en vrai je sais pas, mais franchement les gars, en vitesse je mettrais un 15 et demi vraiment, mais vraiment. Au niveau du design, vraiment rien à dire, hein. Elle est magnifique. Mais voilà, il faudrait quand même un petit peu plus de customisation. Mais quand même, elle est magnifique, les gars. Du coup, ça, je mettrai un 17,5. Et voilà, je pense que c'est ce que je peux en dire. Mais notez la Formule 1, vous, dans les commentaires. Vraiment, moi, je l'aime bien, mais voilà, quoi. C'est surtout la vitesse qui me dérange. Voilà, sinon elle est super bien les gars. Oh là là, regardez-moi vraiment. Elle est super super bien. Bon, après il faudra la tester sur la course, mais je pense que je serai en live quand
on la testera et tout. Je serai sûrement en live, je la jouerai beaucoup. Mais du coup, voilà. Moi, je l'aime beaucoup, du coup, voilà, les gars. Donc, donnez-moi votre avis en commentaire. Sinon, moi, je vous laisse. C'était Darky. Ciao, bye, peace. Allez, ciao, les gars. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Go, les 1500 abos, les gars. Du coup, moi, je vous dis ciao, bye, bye. À demain. C'était Darky. Peace. Covered in pain.